Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite dans certains chantiers de la ville de Kinshasa le mercredi, comme l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema. Le chef de l'État a manifesté son mécontentement au gouverneur de la ville et aux responsables de l'entreprise qui exécute les travaux. Plus de détails dans cet élément de la presse présidentielle. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermée à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estompés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Kinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Makampan attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. Parlons à présent des élections à l'Assemblée nationale. Après une décennie et demie d'absence, Vital Kamerhe retrouve le perchoir de l'Assemblée nationale après sa victoire aux primaires de l'Union sacrée. Des réactions fusent de partout dans son parti politique. Alain Madilou, porte-parole de cette formation politique, explique que cette victoire était méritée puisqu'il était question de conviction et de la vision pouvant faire avancer la République. Il l'a dit au micro de Elvis Metti et Enoch Mafouka. Les députés sont des représentants du peuple. Et ce qui s'est passé hier, c'était une façon de légitimer celui qui sera le speaker de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes habitués à des exercices comme quoi on fait un dictat des autorités morales. Mais ici, le président de la République nous a mis dans un exercice de libre choix. C'est-à-dire de légitimer celui qui va vous conduire dans les débats et garder la chambre basse et puis exécuter le contrôle avec beaucoup d'efficacité. C'est-à-dire, ce qui s'est passé hier, je ne peux que remercier et féliciter le président de la République pour cette initiative. Vous savez, lorsque les choses se passent dans les urnes, il faut prier Dieu et avoir un discours. J'ai suivi le discours de l'honorable Vital Kamerhe, je pense qu'il était aussi convaincant. Il faut convaincre pour que quelqu'un parte voter avec conviction. Or, Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet du chef d'État, ne faisait pas partie de la chaîne de dépenses. Donc il était déjà automatiquement écarté de détournement, de ce qu'on pouvait appeler détournement des deniers publics. Deuxième point, dans le procès, Jamal avait reconnu avoir perçu la totalité de l'argent. C'est-à-dire c'est un faux débat aujourd'hui, parce que ce jour-là, le jour où Jamal avait dit que c'est moi qui aurais perçu la totalité de la somme, c'est ce jour-là que Vital Kamerhe devrait retrouver sa famille et ses enfants. Mais bon,
je pense que le chef de l'État, c'est lui qui est mieux informé que nous tous, l'a dit sur une émission pour dire il y a des gens qui ont cherché la tête de Vital Kamerhe. Ces procès étaient intentionnels. Le projet, dans sa globalité, a un taux d'exécution de 83% lorsque le président de la République est le garant de la nation, qui a les informations à la minute et à l'heure, le dit ainsi, je pense que le débat doit prendre fin. Mais ceux qui persistent pour dire que Vital Kamerhe est 100 jours, je pense qu'ils sont dans le faux. Parlons santé à présent. Dans cette édition, le monde entier célèbre chaque le 25 avril la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette journée a été instituée par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. Le paludisme est une maladie qui tue au même pied d'égalité que la tuberculose et le sida. Suivez. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est organisée tous les ans le 25 avril. Si des progrès ont été faits au cours des dernières décennies pour réduire son incidence ainsi que la mortalité et pour améliorer la prise en charge, le paludisme touche encore des millions de personnes. Comme le souligne l'OMS, 247 millions de cas du paludisme ont été rapportés dans le monde en 2021. Le nombre estimé de décès imputables à cette maladie s'élève à 619 000 cette année-là. Pourtant, il s'agit d'une pathologie évitable et dont on peut guérir. Les efforts de recherche fournis par les scientifiques du monde entier, dont les équipes de l'ICRM, contribuent un peu plus chaque jour à améliorer la situation. Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par un moustique. Elle se manifeste généralement par des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais peut entraîner des complications graves, voire même au décès du malade. Au niveau mondial, la mortalité associée à cette maladie ne se compare à la tuberculose ou au sida. L'enjeu immédiat est d'élargir l'accès de traitements efficaces et aux moyens de prévention existants pour les populations qui vivent dans les régions où le paludisme est endémique. Parallèlement, la recherche travaille à la mise au point d'un nouveau traitement préventif, curatif ou de vaccins qui permettront peut-être un jour d'éradiquer la maladie. Toujours dans le même registre, le paludisme, une maladie à bien combattre car elle constitue un danger pour les population, c'est ce que fait savoir le docteur Bob Mungobo. Il affirme que depuis 2011, plus de 130 000 personnes ont perdu la vie suite à cette maladie. Il est au micro de Fifi Kalumbu. La journée mondiale du paludisme se réveille chaque 25 avril de chaque année, traitée par l'OMS. Paludisme est une maladie provoquée par des parasites, ce genre Plasmodium, notamment le Plasmodium parotidé le plus incriminé, qui se pose dans la maladie. Il y a beaucoup d'autres choses que Plasmodium, qui est transmise par l'homme via la piqûre. Une moustique appelée l'anophète moustique femelle. L'OMS a eu à recueillir au moins 130 000 décès, donc premier cause de décès en l'an 2022, dû au flash au malaria, notamment la malaria. Donc on a eu 130 000 décès sur 21 millions de cas récoltés. C'est pour vous dire l'ampleur qu'a le paludisme. Concernant les statistiques de l'année passée, notamment 2023, comme les données ne sont pas encore assez compilées, mais on note une nette augmentation de 50% du taux de décès pour la seule ville de Kinshasa. Maintenant qu'on est les autres villes de Kinshasa, on a une augmentation de décès de 50%. C'est pour dire que la malaria sévit réellement. Ici à Kinshasa, en 2023, on a eu à voir à peu près 15 000 décès seulement pour la ville de Kinshasa. C'est pour vous faire voir que l'épidémiologie est en malaria. Il y a un traitement préventif et un traitement curatif. Dans le traitement préventif, on donne on fait la chimie prophylaxière, avec les acides qui peuvent être préventifs. Il y a même des vaccins qui sont en cours et qui ont été appliqués en 3 pays déjà, des vaccins anti-malaria pour prévenir soit la maladie grave ou prévenir carrément la maladie. Certains sont en phase de test, d'autres sont déjà validés par l'OMS.
Mais ces vaccins-là ne sont pas assez fiables parce que le paludisme est en train de muter dans diverses phases. C'est pourquoi c'est dans son corps qu'on décède. La malaria se manifeste sous divers symptômes. On a notamment la fièvre qui apparaît en dehors de 8 à 30 jours. Nous avons les frissons, nous avons le céphalée, nous avons le vomissement, nous avons la diarrhée, nous avons les douleurs musculaires, qui sont des signes qui peuvent ne pas être, mais la fièvre peut être là, le céphalée ou les maux de tête peuvent être là. Quand vous avez ces symptômes-là, n'hésitez pas d'aller consulter un médecin pour que vous allez faire un check-in. Parlons société à présent, c'est depuis ce matin que le prix du carburant est revu à la hausse. Il passe de 3 250 francs à 3 450 ou voire même 3 500. Une situation qui met à mal les conducteurs. Ils se sont exprimés au micro de Déborah Petit. Chaque jour qui passe, la vie ne cesse de devenir chère dans la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le problème du carburant qui se présente dans le quotidien des Kinois. Le prix passe de 3 250 à 3 450 et 3 500 francs. Cela dépend des stations-service. Et ceci n'arrange pas du tout le motocycliste. Pour la moitié, tout comme il y a un temps, à nos grandes surprises, la situation est non carburant et mati. Et le carburant est mati, bon, moi je pense qu'il y a ça. Population de difficultés. Il y a là que dans 3250 et tout maintenant, 3450 francs. Carburant matit. Pour eux, la meilleure solution pour s'en sortir, c'est d'augmenter le prix des transports. Bisonde aux aboui, ceux qui carburant matit, bisonde automatise transport. Tant automatise transport, bakria balo balo bagé belé belé. Mais bisonde aux un problème t'es. Bien que cela soit une décision du gouvernement, la population s'en remet encore au ministre des hydrocarbures pour décater la situation. En tout cas, vraiment, le gouvernement, Mameka, comment côté la situation au ministre, il y a hydrocarbures, aux défendre pour la cause de la biche. Cette hausse des prix des carburants survient après la 33e réunion du Conseil de ministres où le Premier ministre sortant Samalou Kondé avait demandé au ministre intérimaire de l'économie nationale de suivre de près l'évolution des paramètres et des prix des produits pétroliers. Après son instruction, un nouvel arrêté a vu le jour, revoyant à la hausse des prix des carburants. Interclub de la CAF, l'heure de vérité approche pour les Corbeaux de Mazembe qui jouent ce vendredi les Égyptiens de Al Ahly en match retour de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Devant la presse ce jeudi, Lamine Diaye reste confiant avant la rencontre. On le suit. On sait qu'on aura un match très très difficile parce que bon, Ahly c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Hein, et qu'on est venu défendre nos chances, qui sont de 50-50. Compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Ahly fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément, il faudra battre les meilleurs, tout simplement. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus que ça. Hein, je pense que ça montait jusqu'à 80 000. On sait que ça fait beaucoup de bruit. Mais encore une fois, on est là pour défendre nos chances, mais à fond. Ce sera difficile. C'est contre une grande équipe. Expérience, ils ont l'expérience, ils ont les joueurs avec. Mais encore une fois, un match de football reste un match de football. Et demain, c'est un autre match. Demain, c'est un autre match. Et certes, on joue à l'extérieur. On joue devant un bon public hein, qui est derrière son équipe. Mais n'empêche, on défendra nos chances, mais vraiment bec et ongles. On est venu en tout cas pour jouer.
Bouclons cette édition avec cet élément du Football Club Renaissance. C'est officiel, le championnat national de Ligue 2 reprend dès le mois prochain. Mission accomplie pour le comité national de supporters qui a saisi les Connors sur les dossiers relatifs au contentieux qui oppose les clubs Orange à ceux de Makila et Vutuka. Lionel Ngolo pour les détails. C'est une démarche salutaire et puis courageuse qui a accouché finalement de bons fruits. Le comité national de supporters du FC Renaissance du Congo, conduit par son président, je cite, Marley Tondolo, a été reçu le 17 avril dernier et par le comité de normalisation de la FIECOFA via Honoré Luango. Des sujets ont fait l'objet de cette rencontre, à savoir la reprise du championnat national Ligue 2 et le dossier relatif au contentieux qui oppose les clubs Orange au FC Makila et Vutuka. La FIECOFA très réceptive et a tout de même salué la démarche entreprise par le représentant de supporters du club Orange de la capitale, je cite, le FC Renaissance du Congo. Quelques jours plus tard, le Connor passe en action et instruit à la Lina Foot de programmer le reste des matchs de la Ligue 2. Mission accomplie par Marley Tondolo et ses compères du comité national de supporters. Censé fatiguer, le comité national de supporters se réserve le droit de saisir à nouveau, dans un bref délai, la Fédération congolaise de football association CIG des dossiers liés à Makila et Vutuka, dont la commission de gestion de la Ligue nationale de football n'a pas toujours tranché. À ce jour, la Ligue nationale de football a rendu public les calendriers des restes de matchs du championnat national Ligue 2. Et pour ce qui concerne le FC Renaissance du Congo, le club Orange fera sa reprise le 4 mai et contre les Anges Verts à 15h au stade des Martyrs de la Pentecôte avant de jouer le 10 mai prochain. Un coiffard d'ici. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à votre session d'information. Restez branchés sur le programme de votre chaîne.